Quand on rêve d'un grand parcours, il faut avoir un bon coursier. Amadou et Mariam savent maintenant ce qu'ils veulent. Une voix de l'Afrique occidentale les appelle. Elle provient de la Côte d'Ivoire. Le couple va tenter sa chance dans ce pays voisin où la musique va bon train. Conscient du meilleur devineur de leur carrière, le couple quitte le Mali pour Abidjan. Allez, vous allez où là ? En Côte d'Ivoire ? Vous avez les pièces ? Allez, abouta mon guinée, donne-moi les papiers. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Hein ? D'accord. Bon, vous pouvez passer. Le bouche à oreille a largement joué son rôle de médiation. Amadou et Mariam sont bien reçus par des amis qui leur ont négocié des contrats. Ils ont également eu l'occasion de jouer dans le jardin de certaines hautes personnalités de la Côte d'Ivoire. C'est aussi dans ce pays qu'ils font la rencontre de Stevie Wonder. Et ouais, les journaux de la place et la télévision ont joué un grand rôle quant à la consécration du couple. Presque dans tous les coins de rue, les gens reprennent leurs chansons et principalement la chanson fétiche. À chacun son problème. C'est à Abidjan également qu'Amadou et Mariam ont enregistré leur cassette dont le premier volume s'est vendu comme des petits pains dans toute l'Afrique de l'Ouest. Au même moment, un Français de passage à Bamako a écouté le morceau avec enthousiasme avant de rencontrer le couple en personne un an plus tard à Paris pour une collaboration fructueuse qui dure encore. À chacun son problème, à chacun son affaire. À chacun son problème, à chacun son affaire. À chacun sa façon, à chacun sa manière. À chacun sa vie, à chacun son affaire. À chacun sa façon, à chacun sa manière. À chacun sa vie, à chacun son affaire. Gaukana jiginela gakunum tumatika sama dewa. Gaukana jigi ula, bekunun kumatika soma dewa.
Yes, yes, yes.